à tous. Alors, on va faire une carte ensemble aujourd'hui. Et après, je referai une vidéo pour vous apprendre comment on peut faire une enveloppe toute seule sans en acheter. Voilà. Alors, déjà, on va faire une super belle carte. C'est comme vous voulez. Soit pour un anniversaire, soit pour un Noël. Alors, vous voyez, ça, c'est le marque-page que j'ai fait. J'espère qu'il y en a qui l'ont fait. Voilà. Ça, c'est des marque-pages aussi. Vous voyez. Hop, j'ai fait qu'un sens. Voilà. Hop. Alors, on va faire une carte ensemble. Si ça vous dit. Là, je vais sortir ça. On va faire une super carte. Ouais. On va faire une super carte, super carte. On va y mettre un peu de comment. Voilà, je vais prendre ça par exemple. Après, vous prenez qu'est-ce que vous voulez comme papier, hein, les filles. Voilà. Hop là, voilà. On va faire une carte ensemble. Si ça vous dit. Alors, j'ai pris ce papier-là, vous voyez. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Si. Voilà. J'ai pris ce papier-là. On va le plier en deux. Vous voyez, attendez. On va le plier en deux bien comme il faut. Si j'y arrive. Là. Hop, voyez, c'est du papier d'action et le papier d'action, c'est vrai qu'il se. Après, vous prenez votre plissoir. Là, je vais vous en faire un peu plus des vidéos comme ça au moins. Voilà. Alors, après, quand vous avez soit des feuilles comme ça ou autrement, je vais en faire une. Une autre comme ça. Hop là. Tac. Je vais prendre des ciseaux. Hop là. J'ai mal au crâne. Oh là là. Est-ce que celle-là je l'ai ou pas? Je sais que ça va pas être du bon sens. Attendez que je regarde. Ben si, pourtant. Pourquoi ça m'a fait ça? Ah ouais, d'accord. Alors. Je vais découper une comme ça, vous voyez. Une feuille comme ça. Vous voyez. Découper ça. Tac, allez. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu vous faire une vidéo avant parce que bon, j'étais beaucoup occupée. Je continue mes petits travaux tranquillement là, chez moi, chez nous, avec mon mari. Voilà. 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 Alors après, vous voyez là ou pas? Ouais. Vous voyez là, j'ai la même fleur. Là, je vais prendre des. Ils sont là-bas. Des carrés comme ça. Ah, je suis désolée, les filles. Des petits carrés comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, là. Oh, le. Oui, voilà, ça serait mieux. Des petits carrés comme ça. De colle. Voilà. On les met dessus. Vous en faire plusieurs des vidéos aujourd'hui comme ça moi vous aurez quoi à regarder. Voilà, je vais la mettre sur.
sur le même. Vous voyez, hop, je l'ai mis en 3D. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Voilà. Je m'approche un peu de vous aussi. Que là. Voilà. Hop. Je vais en prendre une. Comme ça. Voilà. Là, là. Ok. C'est bon. Voilà. Mon compte YouTube, mon YouTube Scrap, c'est juste pour ceux-là qui font que du scrap, hein, et pas autre chose. Si vous faites, par exemple, du DP, vous allez sur mon autre groupe YouTube, hein, sur mon autre groupe, sur mon autre compte YouTube, c'est toi le DP, vous verrez, c'est avec un cheval. Mais là, c'est que du scrap. Voilà. Quand vous avez fini ça, vous découpez vos trucs. Vous reprenez des petits carrés, comme ça, si vous en avez, bien sûr. Vous les posez dessus. Voilà. Comme ça. J'ai mis un peu de chauffage dans mon atelier. Un peu frais, bon, un peu frais, vous comprenez, moi qui est frileuse en ce moment, je passe le jet. Voilà, et vous voyez là, cette feuille là va avec cette feuille là, je sais pas si vous voyez bien, et ben vous la posez dessus, voyez, et ça fait une feuille en 3D. Voilà, voilà, un peu là, on va prendre celle là aussi dans ce cas là. Mais c'est bien en plus des petites feuilles comme ça. Vous pouvez soit les remettre sur votre la même carte que le papier, soit vous pouvez tous les découper et faire des décorations sur d'autres cartes. Voilà quoi. Un peu là. Je me suis dit, faudrait que je leur fasse une petite vidéo quand même. En faire un peu plus des vidéos parce que là c'est vrai que si j'ai un compte YouTube de scrap et puis je vous fais pas de vidéo, ça va pas. Bah oui, voyons. J'espère que vous allez bien. Hop là. Hop là, vous voyez, tac. Celle-là, on va la mettre ici. Voilà. Et on va mettre des petites aussi, vous voyez. On va mettre des petites, comme ça au moins. Tac, je vais prendre celle d'ici. Tac, voilà. Hop là. On va mettre des petites, des grandes. Comme ça, si vous voulez offrir la carte à quelqu'un, une amie, un anniversaire, pour un mariage. Non, pour un mariage, c'est très joli aussi ça. Un mariage. Après, si vous voulez pas faire des cartes comme ça, vous faites comme vous voulez. Libre le choix. C'est votre choix après. Vous voulez faire une carte comme ça ou une autre. Moi, j'aime bien ces cartes-là parce que du papier de chez Action et j'aime bien. Alors celui-là, c'est celui-là là. Attendez, c'est celui-là là. Vous voyez, mais je vais pas le mettre là, je vais le mettre un peu plus loin. Alors attendez, il est où? Bah choupiné, il est là. Vous voyez, hop, voilà, encore un. Donc là, voilà. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à découper ça et puis mettre sur des cartes, sur des memory decks. Voilà quoi. Hop là. Et je vais la couper la dernière. Vous voyez un peu.
aussi des vidéos de scrap parce que c'est vrai que le scrap, c'est vrai qu'on est à fond dans le scrap, c'est vrai qu'on peut plus s'en passer. Hein. J'ai repris mon scrap parce que ça me manquait déjà. Ça me manquait. C'est grâce à vous aussi, scrappeuse, que j'ai repris le scrap parce que c'est vrai que bon, j'ai du matériel, j'ai tout. Hein. Ben, j'ai tout. Il me manque encore des trucs, mais bon, ça va arriver après. Hein. Paris ne s'est pas fait un jour. Hein. Alors, t'es où toi? Non, 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 tu te codes pas là. Non, 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 tu te codes pas là. Ah zut, elle va être ouverte. Eh ben, t'es où? J'arrive pas à la trouver, c'est ça le pire. Après, vous pouvez faire aussi le derrière, hein, vous voyez? Derrière aussi, vous pouvez le faire, vous voyez? Comme ça. Ah, j'ai trouvé. Où elle est? Elle est là. Tac. Hop là. Vous voyez? Tac. Voilà. Après, vous pouvez faire les deux côtés. Franchement, elles sont trop trop belles. J'adore. Celle-là. Alors, t'es où toi? T'es où? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ouais. Elle est là. Vous voyez? Voilà. 3D. En 3D aussi. Après, vous pouvez tous les découper et puis vous amuser comme ça. Moi, j'adore décorer mes cartes comme ça en 3D parce que franchement, elles sont trop belles. Déjà. Magnifique. C'est vrai que doré comme ça, c'est trop trop joli. Je sais pas comment, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si vous aimez le doré, si vous aimez l'argenté, l'argent. Moi j'adore tout ce qui est paillettes. Voilà quoi. De soirée, tout. Voilà. Là. Ok, là. Alors après, on va mettre comme ça. Vous voyez celle-là, voilà. Et vous pouvez la mettre là aussi. Là. Je récupère mes carrés. Ça tombe bien, j'en ai pris deux en même temps, mais bon. Voilà quoi. Hop, on va séparer. Après, vous mettez votre petit mot dedans, ou sinon vous mettez autre chose aussi dedans. C'est comme. Hop là. Voilà. Faut pas trop la charger parce qu'après ça fait pas joli. Je vous en faire une tous les jours, une vidéo comme ça, vous aurez quand même quoi regarder. Parce que c'est vrai que. J'attends aussi des colis de scrap aussi là que je me suis commandé. Ouais. Ah, hop. Ouais, mais là après ça fait trop. Alors dans ce cas-là, on peut la mettre. Et ben là, non, ça va pas, c'est pas le même. Et ben, on va la mettre derrière. Tiens, regardez, hop, attendez, on va la mettre là. Regardez, hop, voilà, mettre ici, puis voilà, voilà. Et je vais en prendre encore une. Ouais, j'ai trouvé une autre. Toc. Moi, j'adore tout ce qui est. Comme ça, vous pouvez comment faire des partages en scrap, faire des créations et les offrir à des copinettes. Franchement, c'est trop trop bien quoi. Une copinette qui a pas de qui veut commencer le scrap et puis qui a pas de matériel, et ben vous pouvez partager avec elle. Comme ça,
là, quoi. Okay. Et ça s'enlève facilement, ces carrés-là. Bien que Action, qu'on soit plus en confinement, c'est vrai que c'est chiant. Voilà, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez? Voilà. Comme ça. Hop là. Poubelle. Tranquille. Là. Et puis après, à l'intérieur, vous pouvez la décorer. Par exemple, avec des trucs comme ça, ou des trucs dorés, ou voilà quoi. Là. Voyez? Après, vous pouvez mettre des trucs là, comme ça. On va le faire ensemble. Ah, ça me pique. Ouais, ça me pique, ça me pique, ça me pique. Ouh, je sais pas c'est quoi qui me fait ça, mais là. Alors. Eh ben. Alors, je prends un petit pinceau comme ça, mais bon, ça, c'est pas des pinceaux pour. Voilà. Pour faire du scrap, c'est des pinceaux pour faire de la peinture. Alors, je prends un petit peu de colle. Je vais laisser ma. Et je mets de la colle ici. Je sais pas si vous voyez ici. Ici, un petit peu ici. Vous voyez? Très, très peu, vous mettez sur la pointe de votre pinceau, voilà, là, on fait ça, voilà. Moi, je fais très doucement, doucement, parce que je me relaxe un peu aussi, parce que entre les travaux et tout, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Oui. C'est pas évident, évident. Voilà. Même si vos enfants veulent faire apprendre du scrap et tout, franchement, faites-leur faire, hein. Franchement, c'est trop, trop bien, quoi. Bon, après, ça plaît pas à tout le monde, mais après, chacun ses trucs, quoi. Comme je dis, hein. Après, chacun ses trucs. Après, vous mettez vos décorations comme vous voulez, vous voyez, là. Hop là, vous voyez. Alors soit vous en mettez 4 ou soit 2, voilà quoi. Je vais vous en mettre 4, vous allez voir. Donc là, vous voyez, hop. Vous mettez un peu de colle un peu partout, très très léger, très très léger. De toute façon, ça va coller, hein, je vous le dis. Ça va coller. Par contre, ça a beaucoup de paillettes. Ça, j'adore tout ce qui est paillettes. Après, si vous voulez faire des partages avec moi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez partager avec moi, ça veut dire faire des échanges entre des découpes, je sais pas moi, des images, des gorgeuses, des tampons, des tamponnages, si ça vous dit. Mais là, je vais essayer de me racheter des tampons. J'ai vu des tampons. Ils sont trop beaux. Je vais me reprendre des dyes et tout. Voilà. Et je vais faire comme ça. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous voyez bien? Hop, voilà. Je vais faire comme ça. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Ça fait trop, trop beau. J'adore. Voilà. Hop là. Et vous mettez des trucs comme ça. Ça, c'est une copinette qui me les a offert en plus. Voilà.
Et après, vous mettez votre. Là, vous pouvez mettre votre adresse. Là, vous mettez votre petit mot. Et puis, sinon, vous pouvez en mettre d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ah, mais j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Peut-être, hein, j'ai bien Ah, je crois que c'est ma fille qui arrive. Ma fille qui arrive. En taxi. Eh oui. Alors. J'avais quoi d'autre? J'ai quoi d'autre? J'ai quoi d'autre? Ah oui, non, mais moi. Moi, j'adore tout ce qui est. J'arrive. J'arrive. Voilà. Après, vous pouvez mettre des trucs comme ça. Voyez? Donc là, par exemple, vous voyez? Elle va être trop belle celle-là. Ou là, non, ça va faire trop chargé. Alors, attendez. On va essayer de faire un truc. Dessus, je peux rien mettre. On va essayer de faire comme ça, deux trucs comme ça là. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Tac. Deux comme ça. Ah ouais, ça va être trop belle cette petite carte. Vous voyez, mettre deux trucs comme ça. Ou là, n'importe. Je ne sais pas si ça va faire bien, je ne sais pas. Tac, on va faire comme ça. À mettre autre chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, j'ai plein d'idées. Mais on peut mettre aussi un petit peu de, voilà, de paillettes. Parce que là, on peut mettre plein de trucs. Allez. Alors, on va mettre. Ah, bah, il y a du bleu comme ça. Attendez, hop, là, on va faire ça. Regardez. Et on peut faire comme ça. Ah, il est bouché, oui. Voilà. Ah, mais là, qu'est-ce que tu me fais, toi? T'as pas envie d'y aller. Ah, ça salit, hein, ça salit. Alors, attendez. Que je fasse un truc. Si je peux. Je m'en ai. Ça fait longtemps que je peux. On ne va pas utiliser de ça. Est-ce que. Oh, bah non. Bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mal bouché, elle est mal. Ouais. Ah bah non, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Je vais prendre ça. Ouais, ils sont très très durs à. Il me fait ça lui. Ça se voit pas trop bien. En plus c'est de la paillette génial. Bah c'est de la paillette. J'en ai plein sur les doigts. Regardez. Là, juste là, j'en ai. J'en ai plein les paillettes. Truc de paillettes, j'en ai plein. Alors, oh bah tant pis, on va mettre comme ça. Est-ce que vous préférez comme ça qu'on laisse comme ça? Ouais, ça serait mieux comme ça. On laisse comme ça. Voilà. Le truc 3D, vous voyez, vous avez votre truc 3D, l'autre côté aussi. Voilà.
Hop là. Et quand il va ouvrir, hop, voilà. Comme ça, vous pouvez. Là. Je les mets là-dedans sur mon bouchon. Bref, voilà. Voilà, ça, c'est bon. Alors, attendez, hop là. Oups, 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 oups. Je remets tout dedans. Voilà. Ça, vous voyez à peu près comment on fait une carte en 3D. Après, je vous refais une autre vidéo. Je vais en faire une autre. Voilà. Dites-moi si ça vous a plu, cette petite vidéo à faire une carte en 3D. Vous voyez là, ça se voit. Truc en 3D, voilà, truc en 3D, voilà, c'est vrai que c'est hyper, voilà, je vais vous mettre en plus comme ça, voilà, avec les petits trucs en bleu comme ça, sont trop beaux, ouais. Ils sont trop beaux, voilà, comme ça, vous pouvez offrir votre carte, 3D pour les débutants ou même pour vous, n'importe. Voilà. Ça, c'est bon. Après vous ouvrez, vous mettez votre petit mot là ou là ou votre adresse ou n'importe quoi. Et voilà quoi. Bon bah sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous.